Bien, mesdames et messieurs, mes chers camarades, je voudrais au nom du CAP remercier les camarades présidents et secrétaires généraux ici présents qui ont choisi le siège du CAP pour cette importante déclaration qui a trait au dialogue social. Le dialogue social prend plusieurs aspects. Il y a la négociation, il y a le dialogue proprement dit, et il y a la trêve sociale. Donc c'est dans cette optique que nous allons vous entretenir aujourd'hui. Je voudrais dire que chaque leader aura quelque chose à dire par rapport à sa vision du dialogue social, par rapport aux événements que nous vivons depuis plusieurs semaines au Gabon. Je voudrais remercier encore une fois mes camarades qui ont pensé qu'on pouvait organiser cette activité ici. Soyez-en remerciés au nom de l'ensemble des membres du CAP. Mesdames et messieurs, mes chers camarades, pendant près de 56 ans, la classe ouvrière du Gabon a été précarisée institutionnellement, professionnellement, économiquement, socialement et culturellement. Cette précarisation a eu des effets négatifs sur nos conditions de travail et d'existence avant, pendant et après nos carrières. Ainsi, suite aux élections générales de 2023 et au regard des résultats tronqués, l'armée gabonaise a décidé de nous sortir de cet esclavage professionnel, économique et social. Au nom de l'ensemble des travailleurs gabonais, les partenaires sociaux du Gabon tiennent solennellement ce jour à féliciter et à remercier nos vaillants soldats pour cet acte républicain de libération qui honore le peuple gabonais sans exclusive. Travailleuses, travailleurs du Gabon, chers compatriotes, conformément aux dispositions de l'Organisation internationale du travail, en ses conventions 87 et 98, les travailleurs du monde sont libres, sans autorisation préalable, de se constituer en syndicats, fédérations, centrales syndicales pour la défense de leurs intérêts moraux, économiques, professionnels, etc., en phase avec les législations en vigueur dans leurs pays respectifs. C'est dans cette optique que plusieurs mécanismes de dialogue national sont prévus par l'OIT et le BIT, parmi lesquels, comme je le disais tantôt, la négociation, la concertation, la grève, la trêve sociale, etc. Ces mécanismes, chers camarades, sont régulés dans le cadre du tripartisme, notamment gouvernement, employeurs et salariés, pour la mise en œuvre d'une démocratie sociale apaisée. Depuis le 30 août 2023, notre pays, le Gabon, est rentré dans une nouvelle ère marquée par une transition militaire qui conduira le peuple souverain dans quelques semaines vers l'organisation d'un certain nombre d'élections politiques, respectivement le référendum, l'élection présidentielle, les élections législatives et locales. Pour y arriver, le président de transition, président de la République, chef de l'État, aura besoin d'une paix sociale durable afin d'organiser ses élections dans la sérénité et relancer l'économie gabonaise qui bat de l'aile, car pendant 14 années, notre pays, le Gabon, a été géré comme une épicerie. Conscient de ces enjeux, les partenaires sociaux du Gabon ont décidé ce jour de la création d'une coalition des syndicats du Gabon, en abrégé CSG. Cette coalition aura pour ambition de fédérer l'ensemble des fils et filles du Gabon, des organisations syndicales gabonaises et tous ceux qui se réclament de la société civile à défendre le Gabon, notre patrimoine commun, par des mécanismes démocratiques, de solidarité et de patriotisme, car ne dit-on pas qu'unis nous sommes forts, et désunis, nous sommes faibles.
Ainsi, la CSG aura pour objectif premier mener une réflexion sur les enjeux futurs, notamment la trêve sociale, le référendum, les élections sociales et politiques à venir, organiser et rationaliser le monde syndical gabonais en phase avec les dispositions qui seront prises de la nouvelle constitution, promouvoir la participation des travailleurs dans les mécanismes de démocratie participative. Travailleuses, travailleurs du Gabon, chers compatriotes, dans un pays de droit, aucune organisation syndicale responsable ne peut rejeter la mise en œuvre du processus de trêve sociale, dès lors que le tissu économique national présente des faiblesses et des dysfonctionnements sans précédent. Les travailleurs du Gabon constatent pour le déplorer que le président de la République et le CTRI ont hérité un pays malade économiquement, socialement, politiquement et culturellement. C'est pourquoi la coalition des syndicats du Gabon, regroupant les organisations précitées, j'ai envie de dire le CAP, Dynamique Unitaire, CONACICED, SEMPA, CSG, SILTEG, SAMTAC, etc., ne peut rejeter la proposition du chef de l'État qui consisterait à observer une trêve sociale. En revanche, elle souhaiterait que l'exécutif mette les formes traditionnelles pour sa mise en œuvre, car nous constatons, pour le regretter, qu'il existerait plusieurs sons de cloche qui ne cadreraient pas avec la vision du président public chef de l'État. Je vous remercie. Alors, nous allons organiser nos interventions de la manière suivante. Chaque leader va développer un pan du dialogue social et de la vie économique et sociale actuelle. Vous êtes sans ignorer que depuis hier aussi, notre jeune camarade président du SAMTAC, du SEMPA, a été suspendu de salaire et de fonction pendant 6 mois par son ministre de tutelle, ce qui ne cadre pas avec la législation en vigueur. Les présidents et secrétaires généraux ici présents vont vous développer ces aspects afin que vous puissiez mieux comprendre. Donc, je vais passer d'abord la parole au président de Dynamique Unitaire. Je vous remercie. Merci aux camarades ici présents. Je vais juste revenir sur l'objet qui nous réunit ici ce matin. Et revenir un peu dans un passé très récent. Le camarade l'a dit dans son allocution de tout à l'heure, nous savons ce que nous avons connu depuis 14 ans. Nous savons, nous n'étions pas contre un individu. Nous luttions contre la manière de faire. Et nous n'allons pas perdre de vue que nous combattions la manière de faire, les méthodes. Nous combattions la raison du plus fort. Et effectivement, parce que le pouvoir déchu avait fait dans la... Il refusait la vérité. Il refusait les remarques qui étaient fondées. Et ça nous a conduit à ce que nous assistons aujourd'hui et depuis le 30 août 2023. Nous pensons que les partenaires sociaux constituent un segment important dans la stabilité d'un État. Nous pensons que le rôle des partenaires sociaux, c'est d'éviter les autorités les travers du passé. Et c'est ce qui a souvent valu les foudres que vous connaissez à Dynamique Unitaire avec le pouvoir déchu, parce que nous avons décidé de rester dans la vérité.
Et nous sommes toujours dans cette vérité. Je voudrais dire aux travailleurs et travailleuses qui nous suivent ce matin que hier, Dynamique Unitaire a tenu son conseil confédéral et a trouvé utile de prendre part à la communication de ce jour avec d'autres camarades pour qu'ensemble, nous allions dans la même direction. Parce que nous constatons, pour le regretter, que un groupe est le même depuis toujours, cherche à vendre du vent aux autorités. Nous qui avons décidé librement d'accompagner cette transition dans la paix, parce que vous le constatez, depuis un an, il n'y a aucun mouvement de grève. Ce n'est pas parce que les autorités nous interdisent la grève. C'est parce que nous nous sommes dit, vu le contexte, il faut donner toute l'assurance aux autorités pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes que nous leur posons. C'est important de le préciser. Mais nous sommes surpris de voir les mêmes méthodes revenir. Et nous le dénonçons avec la dernière énergie. Qui peut, dans ce pays, ignorer les forces syndicales capables de mettre le climat social en ébullition? Et donc, nous sommes surpris, comme vous le voyez, d'apprendre que des travaux se font du côté du budget pour voir les mécanismes, comment on va payer les rappels soldes. Pour nous qui sommes ici, qui avaient pris part à la rencontre de mars avec le président, nous n'avons pas de problème avec ça, parce que le président avait déjà pris l'engagement de payer les rappels soldes d'ici 2025. L'attitude qui s'y est, en tant que responsable, c'est d'attendre que ces rappels soient payés. Jusque-là, le climat social était calme. Les coalitions ne se formaient pas. Mais le fait d'avoir soulevé le problème de la trêve sociale est tellement mal soulevé que vous pouvez observer les levées de boucliers à gauche et à droite qui viennent perturber la paix sociale qui était jusque-là observée depuis 12 mois. On se demande quel est le but recherché? Et quand on regarde, il y a plein de badauds qui en parlent. La trêve sociale, c'est une affaire des organisations syndicales, des employeurs et des mouvements comme ceux des chômeurs. Ce n'est pas des badauds qu'on va aller chercher et en faire des syndicalistes qui peuvent garantir une trêve sociale. Ce n'est pas possible. Et même si c'était tous des syndicalistes, en laissant une frange de syndicats dehors, est-ce qu'on est sûr d'obtenir la trêve sociale? Nous avons beaucoup lutté. Nous avons souffert. Et nous nous sommes dit, il est temps qu'on se calme. Parce qu'avec le pouvoir déchu, c'était la défiance. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons décidé d'accompagner les nouvelles autorités. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est la raison de notre présence ici ce matin. Dire aux autorités, attention. Et donc, on parle de trêve sociale. Je disais, les méthodes sont les mêmes. Il faut que le président le sache. Voilà un ministre qui a choisi une frange de syndicalistes pour parler au nom des travailleurs. Est-ce qu'ils seront capables? Mais qu'ils signent la trêve sociale aujourd'hui, demain, les autres lancent les grèves. Ça aurait abouti à quoi? C'est ce qui a mené le gouvernement en Corbeil-Calais en 2021 d'arrêter de penser à une trêve sociale parce qu'une partie n'était pas d'accord. Et on ne peut pas obtenir une trêve sociale quand il y a des partis qui ne sont pas d'accord. Donc nous invitons le président à recadrer tous ceux qui sont
autour de cette affaire. Nous ne voulons pas nous inscrire dans une démarche qui va à l'encontre de celle que nous nous sommes imposée, c'est-à-dire une démarche constructive. Nous ne voulons pas nous démarquer de cette démarche. Je tiens à rappeler, et c'est important, je suis leader d'opinion. Je m'appelle Ondobe Soloroge, fils de feu à Besselotoum, Salomon, du village à Lumeba, dans le canton sud Abitam. Mes grands-parents paternels, on les retrouve chez les Omban à Konandan, à Oyem. Ma défunte mère était du village Mekaefa, dans le même canton que mon père. Et mes grands-mères, mes grands-parents maternels étaient Essandone de Bitam 1. Je suis Gabonais, Gabonais normal. Mon acte de naissance, répond au numéro 66 du registre 1974 à la préfecture de Bitam. Je ne suis pas Gabonais parce que je suis à Libreville. Je suis Gabonais parce que j'appartiens à un village. J'ai commencé mes études à l'école primaire d'Okof. Tout le monde peut le témoigner, en classe de CP1. Faible. Et donc, il est important que quand on veuille parler des problèmes du pays, qu'on sache qui on est, d'où on vient et où on va. Parce que c'est ce qui a plombé ce pays. Quand les étrangers se sont arrogés le droit de parler au nom des Gabonais, ça ne peut plus continuer. À tous les niveaux, nous allons le dénoncer. Le Gabon d'abord, aux Gabonais d'origine, de souche. Ensuite, à ceux d'adoption et les autres façon. Je me présente comme ça parce que je sais que le président de la République, effectivement, peut se présenter comme je le fais aujourd'hui. On connaît son village paternel, on connaît son village maternel. Parce qu'on en a assez du dictat des étrangers dans ce pays. Ça ne peut plus continuer. Et le milieu syndical ne manque pas d'avoir des acteurs de cette nature. Je n'ai pas un pays de rechange, je n'ai que le Gabon. Je n'ai pas une double nationalité et donc je œuvre pour que le Gabon puisse bien se porter à tous les niveaux. Je peux le revendiquer avec légitimité. Je vais revenir sur la question d'hier. Monsieur le Président, je l'assume. Je pense que ce sont des pédégistes qui ont plombé ce pays. Et depuis votre prise de pouvoir, depuis que vous avez rappelé les pédégistes autour de vous, nous sentons que ça ne va pas. Il leur sera difficile, très difficile d'abandonner leur méthode. C'est ce que nous venons d'assister au ministère. C'est ça à quoi nous assistons au ministère de l'Agriculture. Je vais rappeler au ministre de l'Agriculture. Le président a parlé des conventions, de la convention 87. Il faut que le ministre aille jeter un coup d'œil sur ces conventions qui protègent les droits des travailleurs. Il faut que le ministre aille jeter un coup d'œil dans la loi 18/92 qui organise, qui forme, qui crée, qui organise le fonctionnement des syndicats, précisément en son article 10. Quelle que soit votre puissance, un ministre ne peut pas dissoudre un syndicat. Ça n'existe pas. Et c'est une décision prise sous l'effet de l'émotion. Et un ministre ne doit pas agir sous l'effet de l'émotion. Ça devient dangereux. Et cette décision qu'on prend dans un bureau comme ça, on se lève, on dit, on suspend le salaire d'un agent public de l'État pour 6 mois. Et je déplore le commentaire du journaliste. Parce qu'il aurait fallu qu'au sortir de cette réunion, cette journaliste tende également le micro à un des présidents qui était pour avoir également pour recueillir leurs sentiments. Nous avons décidé de construire le Gabon depuis le 30. Il ne faudrait pas que ceux qui sont censés canaliser cette démarche viennent à être les premiers à la mettre en déroute. Nous, jusqu'à présent, nous jouons bien notre rôle. Je pense que nous avons le doyen ici, vous le voyez.
le doyen dans le monde syndical, le doyen de la CONACYSED. Peut-être que nous, on peut se tromper en tant que jeunes. Qu'on nous dise le délit, qu'on nous dise la faute administrative que le camarade Koumba Mbessiane a commise pour qu'on en vienne à cette sanction. Ça menace la paix sociale dont nous avons parlé tout à l'heure dans la communication. Parce que ce sera la porte ouverte. N'importe quel ministre pourra prendre cet exemple, c'est pourquoi nous interpellons le chef de l'État pour ramener son ministre de l'Agriculture à l'ordre. Nous interpellons le Premier ministre pour ramener son ministre de l'Agriculture à l'ordre. Nous ne pouvons pas vouloir parler de restauration des institutions en marchant sur les textes. Je pense que c'est tout ce que je peux dire sur ce qui a été dit par le président Bemba pour que la parole soit donnée à un autre camarade. Merci. Monsieur Doyen, on te passe la parole. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes ceux qui avaient lutté contre ce régime. Pendant que d'autres se cachaient dans les cuisines, derrière les maisons, nous, on a subi, on a mis ce régime jusqu'à la ligne. Et le 30 août 2023, nous, les lutteurs, nous qui avons souffert, nous qu'on avait bâillonné, emprisonné, coupé les salaires, menacé de tuerie, nous avons appelé ça coup de libération. C'est nous qui avons appelé coup de libération. Mais les autres qui sont au PDG, qui étaient au PDG, qui sont toujours au PDG, qui entouraient ce régime, qui l'applaudissaient, ont appelé ce coup-là la récréation. Ça dit une pause. On va reprendre après. C'est ce que ça veut dire, la récréation. Donc, pour l'instant, nous sommes en récréation. Après cet temps, on va reprendre nos habitudes. C'est ce qu'on vient nous démontrer avec ce ministre Binguma. Il ne pense pas qu'il y a quelque chose qui a changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le président Oligui ne fait pas attention, la récréation va bientôt s'achever. Et les vieilles habitudes vont revenir de part et d'autre. C'est-à-dire du côté des gouvernants et du côté des lutteurs que nous sommes. Nous allons reprendre le même combat. S'il est prêt pour que le pays change, s'il veut vraiment qu'on avance, Nelson Mandela disait ceci, un ennemi qui a failli te faire tomber ne retourne pas vers lui pour construire. Hier, nous appelons les PDG des ennemis. Le fait de retourner vers les PDG, ça veut dire que c'est nous qui allons tomber. Et ils ont toujours le même flair, les mêmes habitudes. Ils n'oublient rien. On les a arraché le pain dans la bouche, l'Élysée l'a dit, mais ils ne vont pas lâcher prise. Ils vont continuer le combat pour récupérer leur pain. Mais chez qui? Ce sera plus chez les partenaires sociaux que nous sommes. Chers camarades, regardez bien, ouvrez bien les yeux. Vous allez dire que les vieux démons reviennent. Oui, je reviens. Je reviens. Quand ça ne va pas, il faut revenir. Pourquoi? Comment voulez-vous que, parlons de la trêve. La trêve veut dire, tu me dois de l'argent. Tu dis, je te donne d'abord la moitié, l'autre moitié, essayons d'échelonner en 2 ou 3 mois. Est-ce que tu acceptes? Je dis oui, puisque tu as déjà fait un pas. Mais moi, quand on doit l'argent, c'est moi qui vais vers celui qui me doit pour dire, faisons, calmons-nous, ne te presse pas, tu donneras quand tu auras. Vous avez entendu ça, Jou? Ça n'existe pas. Quand les syndicalistes vont voir le président de la République, ils lui proposent la trêve. J'ai dit au président, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Mais s'il écoute ses flatteurs, il tombera dans le même trou.
On n'a pas dit que la trêve est une mauvaise chose. C'est encadré par des lois. Si quelque chose est encadré par des lois, ça veut dire que c'est normal qu'on puisse aller à la trêve. Mais avant la trêve, il faut qu'on arrive d'abord à poser un acte. Le président nous a promis lui-même qu'il va payer les rappels, qu'il va payer les retraités, les services rendus. Lui-même l'a promis, il n'avait pas la corde au cou pour le dire. Mais avant qu'il ne pose l'acte, voilà des gens qui vont lui dire, signons la trêve, donne-nous l'argent et les voitures. Bon, tout le monde est étonné. Donc, ça veut dire que moi, que le président doit l'argent, je ne fais pas partie de ceux qui vont signer la trêve. Je continuerai toujours à revendiquer. Celui qu'on doit, le rappel, la même chose. Celui qui attend l'intégration, la même chose. Celui qui attend, nous tous qui avons des besoins, tant que nous ne voyons pas clair, nous ne faisons pas partie de la trêve. Alors, s'il faut la trêve, posons d'abord un acte et le reste, on discute. Et on discute avec des organisations crédibles. Et nous voilà, les organisations crédibles. S'agissant du ministre de l'Agriculture, c'est clair, comme j'ai dit, la récréation va se terminer un jour. Le ministre de l'Agriculture pense que Olivier a posé un acte, les militaires ont posé un acte, c'est un acte de transition. Après la transition, on revient au galop. Ça veut dire qu'on va recommencer à tordre le cou à la revendication. On tord le cou à la loi. On tord le cou à la liberté, à la démocratie. Nous sommes considérés comme des ennemis de la République. Moi que vous voyez là, j'ai été condamné pour avoir dit non à la méthode. Et on dit, j'ai fait, comme le procureur a dit, je suis condamné atteinte à la sécurité de l'État. Je n'avais ni fusil, ni couteau. Qu'est-ce que j'ai fait pour atteindre à la sécurité de l'État? Je n'en sais rien. Tout simplement, ils voulaient tordre le cou à la liberté, à la revendication, au syndicalisme. Et c'est ce que Lumumba annonce. Il est formellement interdit au gouvernement de se mêler à la création ni au fonctionnement d'un syndicat. Lui, il arrête par une décision l'activité d'un syndicat dans un département ministériel. Il décide. De la même manière, il décide de la suspension. Pour suspendre un agent public, la loi est claire, très claire. Il faut un conseil de discipline dirigé par, pas par le ministre, parce que c'est lui-même, il fait partie, il est juge et parti. Alors, c'est lui qui juge, qui décide. Ça dit que, après avoir déceler la faute de l'agent, on va commencer par distribuer les sanctions en échelonnant les sanctions. Ça commence par les sanctions mineures, blâme ou avertissement. On t'avertit parce que tu es absent au travail. On t'avertit parce que tu ne fais pas bien le travail. Après l'avertissement, on va au blâme. Blâme, on peut avancer, soit suspension et licenciement. Mais le ministre s'en fout de la loi, puisque c'est ce qu'il faisait au PDG. Il est habitué. Il coupe directement le salaire. Il coupe les activités du syndicat. Dans quelques jours, il va licencier. C'est à lui. Il a même osé dire au syndicaliste, sors de mon bureau. Vous comprenez le terme, mon bureau. Il a amené le bureau là-haut. Il a un bureau, c'est le bureau du ministère de l'Agriculture. Il est là en transit. Il va partir demain. Je termine en indexant à nouveau le président, en interpellant le président de la République pour lui dire, hier, l'Élysée était comme ça. Il parlait aux Gabonais comme des moins que rien. Comme s'il n'existait pas.
la majorité des ministres étaient au terre. Parce qu'ils se disaient, là où nous sommes là, rien ne peut nous atteindre. Aujourd'hui, l'Élysée en France, il ne peut même plus parler ici. Le PDG a fermé la bouche. Qu'il pense avec son groupe que demain, on va se retrouver dans la rue en train de nous dire bonjour. Il n'y a que ceux qui ont la vision pour un Gabon prospère qui peuvent dire que je ne dois pas faire mal à un Gabonais parce que demain, on va se retrouver dans la rue. Mais s'il ne le dit pas, qu'il sache qu'on va se retrouver bientôt dans la rue. Vieux comme jeune, jeune comme adulte. Même les malades seront ce jour-là dans la rue. Je vous encourage à ne pas baisser la garde, parce que ça commence toujours comme ça. Mais attention, ça risque de finir mal. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. C'est une question d'âge. Avant de passer la parole à l'extrême droite, on va d'abord passer... Monsieur le Président du CAP, je voudrais d'abord personnellement vous remercier pour avoir mis à la disposition des structures de la coalition votre si beau siège, et je crois nouvellement acquis, preuve de votre implication profonde dans ce que nous avons décidé de faire à partir d'aujourd'hui. Je voudrais ensuite remercier tous les autres vaillants leaders syndicaux qui sont autour de cette table pour le travail que nous avons décidé de faire en symbiose. Et la cerise sur le gâteau, c'est que nous avons parmi nous le doyen qui fera rayonner notre action de toutes les lumières qu'il a engrangées tout au long de sa longue carrière syndicale. Et enfin, remercier l'ensemble des camarades qui sont là et qui sont des maillons importants dans toute action que cette coalition fera. Je voudrais donc tous vous remercier. Je voudrais commencer par l'actualité brûlante, parce qu'elle nous fait mal au cœur. C'est la situation du camarade du SEMPA, le leader charismatique du SEMPA, qui vient d'être suspendu de salaire et de fonction. Je ne reviendrai pas sur les récriminations fondées que tous les autres leaders ont déjà faites ici et qui sont basées sur l'application des lois, notamment la Convention 87, et sont pendant dans la législation gabonaise. Les autres leaders l'ont suffisamment fait pour démontrer que, sur le plan juridique, la décision qui a été prise est illicite et illégale. Mais je voudrais m'appesantir sur la suite, parce qu'il faut qu'une telle action soit répondue par une réaction tout aussi forte. Et c'est pour cela que je voudrais déjà assurer, Monsieur le Président du SEMPA, de l'implication du SILTEG et de tous les autres leaders dans toute action qui pourrait consister dans les prochaines heures ou dans les prochains jours à réagir à cette décision que nous ne pouvons laisser impunie avant que ça ne constitue une jurisprudence pour le reste des autres leaders syndicaux que nous sommes. Nous condamnons fermement, mais surtout, nous devons réagir fermement pour que cela ne se reproduise plus dans d'autres secteurs d'activité, parce qu'une telle action qui resterait qui nous laisserait indifférents, pourrait donner des idées à d'autres chefs de département dans d'autres secteurs d'activité, puisque le premier qui l'aurait fait n'aurait rencontré aucune résistance. C'est pour cela que je voudrais insister sur ça, pour que nous n'allons pas le faire devant les caméras, mais nous allons définir ici un scénario d'action pour réagir fortement à ce ministre-là, afin qu'il sache qu'en face de lui, il y a des leaders syndicaux qui sont là et qui sont autour du leader qu'il a suspendu illégalement. Ceci dit, pour revenir à l'autre objet principal qui nous réunit ici, c'est-à-dire
la question de la trêve sociale, dont nous avons la rumeur qu'elle serait déjà en train d'être pensée, initiée, mise en place par un groupuscule de leaders syndicaux, toujours les mêmes, qui sont allés, comme quelqu'un l'a dit ici, vendre du vent au président de la République ou en tout cas au responsable, au grand responsable de ce pays. Je voudrais ici, tout en réaffirmant notre adhésion au principe d'une trêve sociale plus que prévue dans les textes, tout en adhérant au principe de la trêve sociale, condamner avec la dernière énergie la façon dont elle est en train d'être initiée, pensée et même avec un début d'exécution. Je voudrais m'adresser ici particulièrement au président Oligui, directement, en lui disant que c'est vrai que nous sommes à la croisée des chemins dans le pays, nous allons avoir prochainement le référendum, les élections présidentielles, les élections législatives, les élections locales, toute chose qui nécessite un climat d'apaisement, un climat de sérénité, un climat de paix sociale. Et quoi de plus expressif pour sceller la paix sociale qu'une trêve sociale? Et donc, nous ne pouvons qu'adhérer au principe, mais le principe lui-même est en train d'être mis en danger par le management qui est en train d'être fait dans cette trêve. Je voudrais rappeler ici deux facteurs importants qui sont déjà en train de miner cette trêve sociale-là. D'abord, le principe de l'inclusivité. Il est important de faire avec tout le monde, du moins tout ce qu'on connaît. D'ailleurs, l'inclusivité est même l'acte fondamental de la charte de la transition, l'inclusivité. Et comment en faire l'acte fondamental de la charte de la transition si dans un processus aussi sensible que la trêve sociale, on n'est pas dans une démarche d'inclusivité et qu'on est dans une démarche exclusionniste alors que nous voulons atteindre la trêve qui veut dire pas de grève? Comment voulez-vous atteindre un niveau pas de grève en laissant dehors tous ceux qu'on connaît qu'ils peuvent faire la grève? Mais quand vous aurez signé ça le lendemain, vous allez avoir tout le pays qui est en grève. Parce que ceux qui pouvaient faire la grève, vous l'avez laissé dehors. Et certains qui n'ont jamais fait de grève de leur vie, c'est eux qui sont en train de négocier l'absence de grève. Donc, je voudrais recommander au président le principe d'inclusivité dans cette affaire de trêve sociale. Deuxième point, la représentativité. Il est important que tous ceux qui ont démontré, que ce soit dans les confédérations, que ce soit dans les secteurs d'activité, dans leurs secteurs d'activité respectifs, qu'ils incarnaient la représentativité, ne soient pas mis hors de ce processus. À ce moment-là, on aurait des effets contraires à ceux qu'on escomptait en voulant faire la trêve. Ceci, c'est du bon sens. Ceci, c'est de la logique. Nous ne pouvons pas vouloir aller vers une paix sociale, vers une trêve, en adoptant des comportements contraires à l'objectif que nous voulons atteindre. Il est temps que le principe d'inclusivité, qui est l'acte fondateur de la charte de la transition, soit la lumière qui guide le CTRI dans tout processus et dans un processus aussi complexe que celui de la trêve sociale. Je voudrais que cette idée d'inclusivité et de représentativité soit mise en avant dans ce processus-là. Puisque je crois que le président du CAP, quand il a pris la parole pour ouvrir le débat, a donné la position de la coalition en disant, en réaffirmant notre adhésion au principe d'une trêve sociale. Il faut maintenant faire en sorte que la démarche conduisant à cette trêve ne soit pas contraire à l'objectif qu'on veut atteindre. Et c'est pour ça que je voudrais, Monsieur le Président, que vraiment vous preniez vos responsabilités en faisant en sorte que cette coalition soit entendue par les plus hautes autorités du pays et que ce principe d'équilibre que nous dénonçons, que nous affirmons ici,
soit prise en compte dans les prochains jours. C'est la mission que nous, les membres de cette coalition, nous vous confions pour corriger les choses. Et j'attire déjà l'attention de l'opinion publique sur ce que nous sommes en train de dire pour que demain, nous ne soyons pas les fautifs d'un processus pour lequel on nous aurait exclus. Et donc, ceci est une alerte au président de la République, à qui je m'adresse personnellement, à qui la coalition s'adresse personnellement, pour rectifier, pour corriger et pour faire en sorte que les mêmes erreurs exclusionnistes qui ont miné le pays lorsque le PDG était au pouvoir et qu'il faisait en groupe, en bande organisée, ne se répètent pas aujourd'hui. Et je compte sur les membres de la coalition, en dehors des présidents, je vous dis, attendez-vous dans les prochains jours que nous vous appelions pour un certain nombre d'actions, bien entendu pacifiques, qui seront, j'espère, organisées pour faire entendre notre voix, parce qu'il y va de la suite des événements dans le pays, à un moment où le pays traverse et dans une zone charnière, les partenaires sociaux, les syndicats, les mouvements doivent tout faire pour que ceux qui comptent ne soient pas mis à la marge par ceux qui se contentent toute leur vie à aller vendre du vent au président de la République. J'en ai terminé, je vous remercie. Alors, nous allons passer la parole au camarade Alain Mungwadi, délégué général de la Colonie-Sicène. Si vous permettez, je vais me lever. Oui. Bonjour, chers tous. Bonjour. Hier, quand j'ai appris la décision de la suspension du camarade président du CEMPA, j'ai eu mal dans mon âme. Parce que je suis le responsable d'une organisation qui a subi l'acharnement du système Bongo PDG. Je suis le délégué général de la CONACYSEM. Lorsque le PDG était tout puissant, j'ai subi 8 mois de suspension de salaire, décidé par un ministre qui se prenait pour Dieu. La CONACYSEM a été suspendue par un ministre qui se prenait pour Dieu. Et lorsque nous avons appris le coût de la liberté, nous nous sommes dit que tout cela s'est terminé. Tout cela s'est terminé. Mais lorsque les pratiques d'un autre âge sont ramenées par un ministre qui est censé représenter l'État, j'ai été touché dans mon âme. J'ai envie de dire au ministre de l'Agriculture que lorsqu'on est ministre, on a des techniciens, on a des juristes. On prend la peine d'aller lire les textes, lire les conventions collectives, les conventions internationales, lire la loi 18/92, et quand on est ministre, on lit le statut général des fonctionnaires. Parce que c'est sur cette base-là que vous allez gérer les agents publics. Lorsqu'on prend la peine de lire ces textes, on ne fait pas de bourde comme celle que j'ai entendue. Ça, c'est une bourde. Ça veut donc dire qu'on veut faire reculer notre pays. Et je viens interpeller personnellement le président de la transition. Parce que je sais qu'il nous suit. Parce qu'il répond souvent à certaines de nos préoccupations que nous relevons dans nos communications. Ça veut donc dire qu'il nous suit. Qu'il nous suit. Lorsqu'il a pris le pouvoir, il a pris l'engagement de restaurer les institutions et de conduire chaque Gabonais vers la félicité. Et cela commence par le respect des textes, le respect de la loi. Ce qui régit notre vivre ensemble, c'est la loi. Et quand un ministre n'est pas capable de respecter la loi, s'il est courageux, il démissionne.
Par rapport à la rumeur de la trêve sociale, j'ai envie de parler au président de la transition. Parce que je sais que c'est un militaire. Et en tant que militaire, il n'a jamais eu affaire aux organisations syndicales. Parce que dans l'armée, il n'y a pas de syndicats. Le paysan syndical est diversifié. Et quand on est responsable, il faut écouter toutes les voix. Parce que nous constatons aujourd'hui qu'il y a des organisations privilégiées. Il paraît qu'ils ont des portes d'entrée à la présidence de la République. Mais nos organisations représentent des travailleurs. Et nos travailleurs, ceux que nous représentons, estiment être lésés par la transition. Parce que, pour eux, parler de trêve sociale, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Ils ont leurs préoccupations et ils souhaitent que le président de la transition commence à montrer son intérêt pour le règlement de leurs préoccupations. Ces préoccupations sont connues. Les enseignants ont été précarisés pendant plusieurs années. Ils ont des salaires de stagiaires pendant plusieurs années. Ils souhaitent que leur salaire soit revu à la hausse par la régularisation des situations administratives. Ils souhaitent que l'argent que l'État leur doit soit payé. Et le président de la transition a pris l'engagement de faire toutes ces choses. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà un bon départ. Il a pris cet engagement. Mais là, nous voulons que cet engagement soit répercuté dans les textes. Parce que les textes qui nous permettent de fonctionner, c'est la loi de finances. Dans la loi de finances 2025 qui est en élaboration, nous espérons que les lignes seront clairement identifiées pour la régularisation des situations administratives, pour le paiement des rappels, pour le recrutement des enseignants qui travaillent sans salaire. Et sur cette base-là, lorsque les agents publics comprendront que le président de la transition s'est engagé pour le règlement de leurs préoccupations, en ce moment-là, il convoquera toutes les organisations syndicales. Parce qu'il n'est pas question de donner la vedette à certains. Parce que j'ai dit tout à l'heure que les syndicats sont diversifiés. Il y a des logiques. Il y en a qui pensent que son ventre, c'est le plus important. Il y en a qui pensent que la base est la plus importante. Parce que les Gabonais nous regardent. Restaurer leur dignité, c'est aussi permettre à ces Gabonais de bien vivre. Bien vivre, c'est avoir dans sa besace quelque chose qui lui permet de tenir au quotidien. Pour nourrir ses enfants, pour se prendre en charge, pour se soigner. Ce sont toutes ces choses-là que nous voulons parce que le pouvoir déchu nous a précarisés. Il n'avait pas notre temps, comme on dit. C'était tout pour eux et rien pour les autres. Et maintenant, nous souhaitons que cette vision de la gestion du Gabonais change. Si nous voulons aller vers notre essor, vers la félicité, il faut aussi que nos vies changent. Et nos vies changent en tant que travailleurs parce que nous gagnons. Je vous remercie, chers camarades, je tenais à parler avec mon cœur et à m'adresser personnellement à son Excellence, le président de la transition, parce que nous savons qu'il nous écoute. Entre syndicats et État, il n'y a pas de conflit. Parce que nous sommes des partenaires. Sans partenaire, sans État, le syndicat n'a pas besoin d'exister. Sinon, nous revendiquons pour qui ? Nous revendiquons pour notre base. Et pour que notre base ait gain de cause, il faut que l'État s'approprie nos revendications. Et que surtout, ils sont les gagnants. Parce que lorsqu'ils règlent nos problèmes, ça rentre dans leur bilan politique. Un jour, ils diront, nous avons payé les rappels, nous avons régularisé les situations administratives, et lorsqu'ils demanderaient à ces Gabonais qui ont eu toutes ces choses-là de voter pour eux, je ne pense pas que ces Gabonais ne vont pas être reconnaissants de l'acte qu'ils leur posent. Merci, chers camarades, pour votre attention.
Bien. Nous allons devoir passer la parole au camarade qui a été suspendu hier par un ministre véreux, le ministre Binyumba. C'est de lui qu'il s'agit. Monsieur le camarade Kumba Mba va devoir nous expliquer, va devoir nous présenter sa situation parce qu'il est précarisé par son ministre de tutelle alors que ce ne sont pas ses prérogatives. Merci, mesdames et messieurs, chers camarades, mesdames et messieurs de la presse. En réalité, si vous me permettez de me lever, je n'ai pas compris lorsque hier nous recevons un coup de fil du cabinet du ministre. Lorsque nous recevons un coup de fil du cabinet du ministre qui nous invite à une rencontre avec le ministre. Et lorsque nous arrivons à cette rencontre, on nous introduit au bureau du ministre et nous étions accompagnés de nos collaborateurs, donc les membres de nos bureaux. Nous étions quatre syndicats. Et le ministre a refoulé les autres membres de nos bureaux, justifiant qu'il n'avait besoin que des présidents des syndicats. Alors, à peine à sa prise de parole, il s'est plaint du comportement des syndicalistes. Déjà, nous constatons qu'à peine arrivé, la presse était déjà conviée avant nous-mêmes. Donc, il y avait déjà un scénario médiatique mis en place. Et s'en est suivi des blâmes et des menaces de tout genre liées à un audio que j'aurais balancé dans différents groupes et réseaux sociaux, si vous voulez. Et à la fin de ces blâmes et menaces, il va conclure que, dorénavant, le SEMPA est suspendu de ses activités syndicales et je devrais subir une sanction disciplinaire, à savoir 6 mois de suspension de salaire. Et c'est comme ça qu'on s'est séparés. Bien ayant voulu prendre la parole, il a interrompu les échanges et nous sommes partis. Ce que je voudrais dire, c'est que le problème lié à cet audio n'émane pas de moi. C'est un syndicaliste qui, lui-même, en tout temps de conscience, est passé dans les médias à la veille de mon intervention pour dire ceci. Le président de la République a reçu les syndicalistes. Il leur a donné 60 millions que j'ai décidé de partager à la présidence de la République. Et chacun de nous, nous avons eu 400 000. Le même syndicaliste dit, j'étais assis chez moi, le président m'a appelé parce qu'il aurait vu une photo de quatre syndicalistes et que cette photo a manifesté en lui un sentiment de considération et d'estime. C'est pourquoi il les a appelés au cabinet du président. Et il est allé, il a même encore dit que, ayant peur de toutes les conséquences que cela pouvait, il a dû se faire accompagner par l'un de ses frères qui devait filmer son entrée à la présidence au cas où il ne revenait pas. Et de là-bas, le président les a fait asseoir et leur a octroyé des véhicules. Ça, c'est lui-même. Et au moment où il voulait même partir, le président leur a dit non, ne partez pas, allons-y à une réunion avec le Monseigneur. Toujours le même. Bon. Moi, ayant entendu ça, et ayant suivi une déclaration de ces syndicalistes à Mwanda, qui disait qu'il était recommandé par le président pour négocier la grève. Il y a des concordances. N'importe qui peut penser que tout ce qui a été fait dans le cadre de ce partage, de ces largesses, au bénéfice de ces syndicalistes-là, particulièrement lui qui s'est présenté, justifie ce qu'il est en train de poser comme acte, c'est-à-dire en voyageant pour sensibiliser les gens à participer à une trêve sociale. C'est à partir de ces propres déclarations que moi j'ai dû prendre la parole pour dire on est fatigué des trêves sociales monnayées, que le président de la République doit arrêter. Parce que pour lui, s'il pense qu'il fait des dons, des simples dons, eux, ils estiment que c'est des compensations en guise d'une trêve sociale. Et j'ai dit, c'est terminé. On ne peut plus continuer à monnayer les revendications des travailleurs.
Parce que c'est comme ça que ces gars-là fonctionnent. Quand ils ont besoin d'argent, ils vont inventer une histoire au président. Monsieur le président, attention, là, il y a la grogne qui arrive. Si vous voulez qu'on puisse éteindre ça, voilà ce qu'il faut faire. Voilà, voilà. C'est pourquoi on se retrouve à cette situation-là. Et c'est leur façon de fonctionner. Bon, vous trouvez normal qu'un Gabonais sérieux vienne déballer des discussions avec la plus haute autorité du pays, la plus grande institution du pays, dans un cadre privé. Cité, relayé, relaté mot pour mot une discussion privée avec le chef de l'État. Lui-même, il dit qu'ils étaient à plus de 300 à la présidence de la République. C'est le seul parmi les 300 qui vient dire devant le monde entier que le président a partagé 60 millions. Nous avons les représentations diplomatiques au Gabon. Nous avons les partenaires économiques. Lorsque ces partenaires écoutent et entendent qu'à la présidence de la République, on distribue de l'argent aux partenaires sociaux. Quelle image ils donnent au président et à notre pays? Qui veut détruire le président, lui ou moi? Qui veut salir l'image du président en tenant des propos aussi graves qui est suivi à l'international comme à la locale? C'est pas moi qui veut détruire le président. Je suis désolé. Je ne fais que relayer ce qu'on a sorti, ce que ce syndicaliste a sorti en public et condamné. Mesdames et messieurs, ce n'est pas moi. Bon, le ton peut être je voudrais dire un peu agressif ou violent. Mais laissez-moi vous dire que lorsque vous avez un parent malade qui agonise à l'hôpital et que le seul moyen qu'il puisse vivre, c'est de prendre les médicaments. On est parfois obligé de gifler un aîné et enfoncer le médicament dans sa gorge. C'était peut-être mon moyen d'attirer l'attention du chef de l'État. Voilà les pratiques de ces syndicalistes. Il est allé plus loin. Il a dit que au bureau du président, c'est lui qui avait eu la mission d'établir la liste des gens qui doivent prendre part au dialogue social. Il l'a dit devant les médias. Qu'est-ce que moi, pour Mamba Issian, j'ai à y voir dedans? Mais c'est grave, au dialogue national, c'est grave. Cela sous-entend que le président lui-même n'avait pas les manettes. C'est eux qui tenaient les manettes. D'où le doute de la crédibilité de ce dialogue. C'est toujours le même. Mais si on est dans un pays sérieux, les services spéciaux, ceux qui accompagnent le président dans leur enseignement, les collaborateurs du chef de l'État doivent dire, monsieur le président, les propos tenus par ces syndicalistes est grave. C'est lui qui détruit le président, c'est pas moi. Et on parle de la première institution du pays. Moi, je ne fais que relayer ce qu'il a dit et condamner les pratiques. Voilà un homme à la nationalité douteuse qui est toujours au centre des décisions des travailleurs du Gabon. C'est lui qui intervient à la présidence. C'est lui qui intervient, qui va exposer des rencontres privées avec le chef de l'État. C'est lui qui parle de corruption. Et c'est le Gabonais qu'on vient prendre pour dire on doit suspendre le salaire. Il faut que ça s'arrête. Il faut savoir décrypter. À cet instant, j'interpelle maintenant les collaborateurs du chef de l'État qui sont dans le renseignement. Il faut savoir décrypter les messages. Mon message a été peut-être un peu agressif, mais il s'agissait d'interpeller le chef de l'État sur les comportements de ces syndicalistes-là. Je ne le ferai pas en Guinée équatoriale, moi. Je ne le ferai jamais. Quelle que soit l'hospitalité que la Guinée équatoriale pourra m'accorder, je ne parlerai pas d'un chef d'État de cette manière. C'est pas moi. Pour revenir sur les décisions de mon ministre, il est libre. Mais ce que je sais, c'est que nous avons déjà un conflit avec son directeur de cabinet. Parce que j'avais condamné le caractère tribal des nominations qui passaient par ce monsieur. Nous avons des problèmes au ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture agonise depuis longtemps. Si on avait un problème sur la trêve sociale avec le président, je pense qu'avec tout ce que nous avons comme problème au ministère de l'Agriculture, nous serons rentrés en grève depuis. Cela sous-entend que nous avons initié une trêve. Pendant un an, on avait pu entendre par le ministère de l'Agriculture, qui est un ministère reconnu comme ministère gréviste. C'était suffisant. Lorsque vous avez amené la trêve sociale, vous avez pris la trêve sociale avec calcul, ça a forcément réveillé les vieux du monde, comme quelqu'un le disait. Les états-majors se sont mis en place. Qu'est-ce qu'on va encore nous faire là? Aller encore négocier, prendre de l'argent et puis bien les travailleurs? Ce n'est pas moi. Monsieur Akoubou Sidouane, le directeur de cabinet, et moi, nous avons un problème à cause de ces nominations tribales. Voyez-vous, on a retiré les compétences de l'administration centrale pour les envoyer à l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire pour en faire
un puits financier. Le bon monsieur prend son fils, qu'il nomme chef comptable. Ça veut dire que c'est lui qui contrôle toutes les recettes de la Gaza. J'ai condamné ça. Voilà mon problème avec Sidon Akoubou. Et comme il semble contrôler son patron, il mêle son patron à un autre conflit. Et je lui avais dit, monsieur, si vous êtes dans un... regardez les nominations au sein du ministère de la Culture. C'est une nomination à caractère tribal. Et comme c'est le biftec en le disant que son fils ne peut pas être agent chef de service comptabilité à la Gaza. Et laissez-moi vous dire, je prendrai un exemple pour terminer. Si quelqu'un peut percevoir quelque part 30 millions sans effort, c'est un exemple, hein, et que quelqu'un, parmi ceux qui ne le comprennent pas d'une bonne oreille, se plaint. Vous voyez tout de suite qui devient l'ennemi de cette personne. Donc, je n'ai aucun problème avec Enyumba, je n'ai aucun problème avec le président, comme on le dit. Voici pourquoi je me retrouve en dispute avec le ministre. C'est beaucoup même plus à cause de mes contradictions avec le directeur de cabinet sur ses nominations stratégiques au sein du ministère de la Culture. Partout où il y a l'argent, un parent lui doit être là. Et je vous dis bien son propre fils, vous les médias ou les services publics ou les agents de renseignement, allez vérifier. C'est son fils qui est chef de service comptabilité à l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire. On nous parle de mise sous bon de caisse des agents du ministère. Les agents du ministère de l'Agriculture ne travaillent pas. Tout le ministère de l'Agriculture a été dépourvu de ses missions pour les concentrer à l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, tout simplement parce que on veut contrôler l'agent du ministère de l'Agriculture. Les agents ne travaillent pas. Vous les mettez sous bon de caisse. Quel travail? Quelles sont les missions qu'ils exécutent au quotidien? Aucune. On a parlé de cette affaire depuis longtemps. Si réellement le président suit ce que disent les partenaires sociaux, je pense que cette affaire aurait pu être réglée depuis. Et là encore, on a fermé les oreilles et les yeux parce qu'on s'est dit que c'est la transition, accompagnons le président. Et c'est moi qu'on veut exposer dans mon pays. Et qui vient m'exposer? Un expatrié, c'est terminé. Je ne me laisserai pas faire pour ça. Je termine en disant que dorénavant, au Gabon, je dois parler des affaires des Gabonais que des Gabonais. C'est terminé cette affaire. Il m'a porté plainte à la DGR. Je suis même convaincu qu'il gagnera. Parce qu'au Gabon, c'est toujours le Gabonais qui perd et l'expatrié gagne. On se retrouvera. Je suis rentré, je suis déjà à Libreville, j'étais au Yem, je suis là. J'attends la conclusion de la DGR, mais j'ai dit, c'est terminé. Je vous remercie. Bien parlé. Alors, je vous demande d'applaudir encore pour notre camarade Koumbamba. Nous savons tous pratiquer du syndicalisme au Gabon relève d'un courage parce que l'activité syndicale est assimilée à l'opposition. Nous sommes tous assimilés ici à des opposants, alors que nous revendiquons ce qui est essentiel pour le travailleur. Les retraités ont été précarisés. Les travailleurs sont précarisés. Le pays a été géré comme une épicerie, mais il faut que l'on applaudisse toujours, que c'est bien fait. Les camarades ici ont dénoncé le fait que les PDGistes qui ont mis ce pays par terre hier reviennent au pouvoir et jouent un rôle essentiel dans la gouvernance de la transition. C'est pour ça que nous allons toujours et toujours interpeller le chef de l'État de ce que il a bien fait de libérer le Gabon avec ses compagnons. En revanche, il serait impérieux qu'il puisse procéder à un toilettage autour de lui, parce que beaucoup cherchent à plomber sa transition. Alors que les Gabonais ont applaudi hier, ils commencent à pleurer aujourd'hui. Très rapidement, je vais passer la parole à notre jeune camarade, qui est le président du syndicat du ministère des Transports. Samta. Merci, camarades. Merci également aux membres ici, aux camarades ici présents, les membres du bureau.
messieurs, les dames de la communication. Il est souvent difficile de prendre la parole après plus de 10 ou 7 anciens, après, je dirais, avoir donné leur pensée par rapport au sujet qui nous unit ici aujourd'hui. Je voudrais également rappeler ici, il s'agit de notre avenir. Il s'agit de l'avenir du travailleur gabonais. Il s'agit de l'avenir du Gabon. Pour ceux qui me connaissent, je n'aime pas beaucoup parler, mais je dis l'essentiel. Je suis Michel Ujus Namitogo, natif d'Ebitam, du clan Essandon, du premier village d'Ebitam, descendant du fondateur de la ville d'Ebitam, dont de ma naissance, je n'ai pas peur. Lorsque je dois vous dire la vérité, je vous parle selon mon cœur. Alors, je voudrais ici interpeller Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, Brice Clotaire Oligui-Nguema. En mars dernier, lorsqu'il recevait les partenaires sociaux, je voudrais demander à ces derniers de revoir le film lorsque les partenaires sociaux se retrouvaient au portail de la présidence de la République, où nous avons commencé à remarquer les mêmes mécanismes que nous avions vécus à l'époque du pouvoir déchu. Et c'est ce qui nous conduit jusqu'aujourd'hui pas à pas. Alors, Monsieur le Président de la République, nous sommes vos partenaires. Je voudrais dire ici, tout en me référant à plusieurs de vos discours, vous disiez, je cite, j'ai lu Machiavel. Monsieur le Président, je voudrais encore vous interpeller à bien lire Machiavel, parce que beaucoup sont autour de vous qui parlent au nom des travailleurs, alors qu'ils n'ont pas de base. Ceux-là ne sont-ils pas vos opposants dans l'interne? Ou aujourd'hui faire croire à un groupement syndical qu'ils peuvent faire sans eux et commencer à organiser des réunions avec certains de vos collaborateurs en mettant en marge les têtes ici qui ne sont plus à présenter dans notre nation en matière de défense des droits, notamment des travailleurs. Je voudrais ici rappeler également à ce ministre de l'Agriculture, c'est regrettable qu'au moment où nous avons la chance, ou quelqu'un peut avoir la chance d'être dans un gouvernement, dans une période assez sensible où l'on parle de la transition et que ces derniers ramènent les mêmes mécanismes. Monsieur le ministre, si on était dans un pays sérieux, je crois que hier, vous devrez poser votre démission. Je le crois. Et je le dis, parce que en bon Gabonais normal et qui veut accompagner le président dans sa décision, le président qui a été acclamé depuis le 30 août passé, vous faites aujourd'hui, vous faites remarquer comme étant l'un des maillons faibles, prêts à faire chuter Monsieur le Président de la République. Et nous, les leaders ici présents, nous disons, ça ne va pas continuer comme ça. Nous allons démontrer au président que notre camarade n'est pas contre vous, mais bien le contraire, celui qui va jusqu'à défier la loi. La loi. Qui peut être déçu de la loi? Alors, il n'est pas digne d'être à la tête d'un ministère. Et encore, un ministère de souveraineté. On parle là de l'agriculture. Je voudrais
avant de terminer, interpeller également Monsieur le ministre des Comptes publics, qui a déjà fait son choix. En faisant votre choix, vous allez également vous retrouver face à l'autre bord, puisque vous avez fait votre choix. Et nous savons que ce choix a été fait depuis mars, lorsque la sélection s'est faite au portail de la présidence de la République. C'était ça, le premier pas dans votre choix. Et le deuxième choix s'est fait pour amener les gens au dialogue national. Quel type de syndicalistes ont été sélectionnés pour parler au nom du syndicat du Gabon à une si grande messe où nous parlons de la construction d'un état de valeur? On parle là de la moralité des individus. La moralité des individus. Dans le mensonge, et vous pensez que ce type d'individu peut vous conduire vers le droit chemin pour être plébiscité demain, là où le président a besoin de la paix. Vous parlez de la trêve, mais nous vivons la trêve au Gabon depuis le 30 août 2023. Puis à partir du moment où nous avons acclamé, applaudi ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes ici, beaucoup de ministères regroupés. Je ne sais pas quel ministère en grève au Gabon. Je ne sais pas, dites-moi. Au lieu que ce soit la base, ou alors les leaders constatent que la base est en grève et font pression, et avec cette pression, que le partenaire nous appelle à une table de négociation, comme l'a dit ici le président Bemba. Mais non, ce même groupe se détache en pas de sénateur, aller négocier. Et le président nous l'a dit à la présidente de la République. Ils lui ont même proposé un montant que beaucoup ici connaissent, messieurs et mesdames les journalistes. Et le président a dit, mais s'il faut vous donner ce montant pour la trêve sociale et nous allons construire des routes avec quoi? Je n'en ai pas. Alors, monsieur le président de la République, vous l'avez dit en mars, mais voyez les mêmes mécanismes, jusqu'à présent, ils n'ont pas lâché. Ils font tout pour atteindre leur but. Et leur but n'est autre que continuer à tromper le Gabonais en général et le travailleur en particulier. Nous disons plus jamais ça au Gabon. La récréation est terminée. Pour ceux qui pensent qu'ils vont faire la pause, comme l'a dit le doyen Doïdzo, qu'à la pause, ils vont encore commencer à tourner leur groupe électrogène, je ne sais de combien de KVA, mais il y a également des moyens que d'autres peuvent utiliser pour faire exploser ces groupes, quelle que soit la puissance de leur KVA. Je voudrais terminer en disant à ceux qui nous écoutent ici d'être prudents, aux travailleurs gabonais de demeurer prudents. Faisons avec ceux qui ont une base sûr et qui vous disent la vérité. Je vous remercie. Ok, nous allons passer la parole au dernier camarade, parce que nous l'avons promis, tous les camarades autour de cette table devraient dire quelque chose. Je vous remercie. Bonjour à tous. Déjà, comme disait le camarade, après prendre la parole, après avoir écouté ces grandes personnes, c'est un peu difficile. Ce que je vais dire, c'est juste que je suis en phase avec tout ce que les camarades ont dit. Hein. Et surtout, le point de notre camarade qui a été sanctionné sans respecter les normes. C'est que sûr, comme a dit le camarade Meunier, il est temps que les camarades se retrouvent pour poser une action forte, pour montrer au ministre que en face, il a du répondant. En face, il y a des leaders aussi qui ont compris que si jamais nous laissons cette situation perdurer, et les autres aussi, dans d'autres ministres aussi vont prendre le pas. Il est temps que nous nous retrouvons et que nous puissions poser un acte pour répondre
au ministre que dans notre, nous disons que notre pays, que le pays, ce pays est un pays de droit. Et comme c'est un pays de droit, nous devons respecter la loi. Nous devons respecter la loi. Et concernant la trêve sociale, ils l'ont dit, déjà nous avons fait un an sans grève. Vous pouvez comprendre que nous avons la volonté de voir les choses changer sans signer quelque chose, sans signer sur un papier ou sans recevoir l'argent de quelqu'un. Vous pouvez voir en cela que les partenaires voudront que le président puisse avancer, puisque lui-même il a promis résoudre les problèmes des travailleurs. Lui-même il a promis, puisqu'il doit payer, il a dit qu'il, un peu partout depuis qu'il fait sa tournée, je pense à Tshibanga, à Franceville, il disait qu'il devait payer les rappels. Et jusqu'alors, les situations administratives dans certains ministères sont en train d'être résolues. Donc, nous voyons pas la précipitation de nos camarades de l'autre côté. Plus que, il est vrai que le président lui-même, il a peut-être parlé de cette trêve pendant, mais en réalité, s'il interpelle, c'est le premier ministre qui devait prendre le relais pour appeler tout le monde pour essayer de présenter la situation et voir comment on devait procéder dans une démarche. Mais c'est les partenaires qui se retrouvent, qui essayent déjà de réfléchir comment amener cette trêve sociale. Non, nous aussi, comme a dit le président du CAP, nous devons aussi nous retrouver pour réfléchir et enfin que nous puissions présenter aussi notre démarche aux plus hautes autorités. Pour cela, ensemble, nous devons gagner ensemble. Nous sommes unis. Merci. Bien, dans toute chose, il y a une fin. Nous avons prévu cette communication stratégique. Nous avons pensé qu'on n'aurait pas un échange, mais plutôt une communication. Une question nous est revenue, une question particulière, une question de secteur qui s'adresserait au président du CILTEG. Donc, il va très rapidement ramasser, c'est-à-dire apporter quelques éclairages. Après, nous allons conclure. Je vous remercie. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, très rapidement, la question qui est posée, si je peux la lire, pour que les autres... en profitant de cette rencontre avec vos partenaires, collègues qui ont la charge du transport en commun, j'ai cité les taxis mis en circulation par le président de la transition et pour les Gabonais. Que le système appliqué est très malade à cause de leur mauvais comportement, d'arrogance, de manque de respect, etc. C'est ça la question. Alors, je voudrais rassurer notre membre qui a posé cette question en disant que cette question qu'il pose ici, le système de transport désorganisé, marqué par l'arrogance, la mauvaise foi, la mauvaise volonté de ceux qui l'exercent, a été pris en compte dans le dialogue national. Rapidement, il faut savoir que nous avons un système de transport qui est exécuté à 92% par les expatriés, nos frères expatriés. Sur les 10 000 taximènes que nous avons, il y a moins de 1 000 Gabonais. C'est donc un ratio inquiétant. Et ces 92% viennent d'horizons divers. Ils viennent de partout en Afrique. Ils n'ont jamais été formés. Beaucoup viennent découvrir la ville même ici. Quelqu'un arrive le soir, le lendemain matin, il est au volant d'un taxi qui appartient à son frère. Tout ça qui a créé le désordre. Mais rassurez-vous, il y a eu deux recommandations au dialogue national. La première recommandation, c'est la nationalisation. C'est-à-dire que désormais, ce secteur, à travers un mécanisme, doit maintenant revenir aux Gabonais. Vous avez entendu le président de la transition dire lors du discours du 30 août qu'il s'engage à faire qu'en 5 ans, il puisse inverser
la tendance. C'est-à-dire qu'au lieu de 90% d'étrangers et moins de 10% de Gabonais, lui s'engage qu'en 5 ans, il y ait 90% de Gabonais et peut-être moins de 10% d'étrangers. Donc la nationalisation. Un. Deux, la professionnalisation. Désormais, dans les prochains jours, puisque les thèses d'aptitude vont commencer très prochainement, ne pourra être taximal au Gabon que quelqu'un qui sera détenteur d'une carte professionnelle de conducteur de taxi, en ayant passé au préalable des tests d'aptitude. Donc, ça ne sera plus le désordre que vous relatez là qui est vrai. Désormais, il y a maintenant un filtre qui est le test d'aptitude pour avoir la carte professionnelle de conducteur de taxi. C'est le moyen qu'on a trouvé pour réduire nos frères d'eux et augmenter le nombre de Gabonais. Voilà ce qui est en train d'être fait. C'est pour ça que vous voyez les 417 taxis qui sont arrivés, c'est les taxis qui seront accordés aux Gabonais. Malheureusement, il y a eu cette malheureuse condition de l'apport personnel de 1 100 000, parce que là aussi, c'est des choses à peut-être voir, parce que si on veut faire la gabonisation, un chômeur, un jeune qui n'a rien, où il va trouver 1 100 000 pour aller donner l'apport personnel. Ce qui risque de se passer encore, c'est que ce sont les gens qui ont l'argent qui vont aller payer 1 100 000 pour leurs neveux, mais qui ne veulent peut-être pas travailler, et les vrais qui veulent faire le taxi, puisqu'ils n'ont pas 1 100 000. Mais ça, c'est quelque chose que nous sommes en train de... On est en train de se plaindre là-dessus. Peut-être que ça va être corrigé. Donc, rassurez-vous, nous sommes à l'ère de la nationalisation et à l'ère de la professionnalisation. Ça va nettoyer le secteur en filtrant les gens. Parce que la carte ne sera désormais octroyée qu'en grande partie aux... Là, je le dis un peu pas très... qu'on s'entende aux Gabonais. C'est pour ça que le président dit qu'il s'engage en 5 ans à renverser la tendance à travers la carte, là. Voilà, donc je crois que ça vous rassure. Voilà. Bien, mesdames et messieurs, chers camarades, nous sommes arrivés au terme de notre échange. Vous retenez une ou deux choses. La coalition des syndicats du Gabon est née. Première chose. La deuxième chose, cette coalition ne refuse pas la trêve sociale proposée par le chef de l'État. En revanche, elle réclame les formes. La forme, c'est-à-dire que la trêve sociale devrait venir de l'employeur et non de l'initiative du salarié. Donc, nous sommes prêts à accompagner le chef de l'État, mais pourvu qu'on mette les formes. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que nous risquons de vivre encore dans l'autoritarisme, excusez-moi, dans les dérives autoritaires. Ce que nous avons recusé hier nous rattrape aujourd'hui. Nous avons encore des ministres, nous découvrons encore que nous avons des ministres qui, malheureusement, font une mauvaise lecture de la loi. Et à ce niveau, nous invitons le ministre de l'Agriculture à replonger dans sa lecture sur les conventions, sur les dispositions des conventions 87 et 98 de l'OIT, librement ratifiées par le Gabon. Parce que le Gabon a ratifié ces dispositions. Donc, se lever un matin en tant que ministre sectoriel, de suspendre un leader syndical, un partenaire social, ne relève pas du ministre de l'Agriculture. Il y a deux types de suspension. Il y a la suspension administrative et la suspension judiciaire. La suspension administrative relèverait du chef de l'État et de l'exécutif, c'est-à-dire le premier ministre. Et comme le gouvernement a un porte-parole, c'est le porte-parole qui devrait venir sur la place publique, dit, constatant que tel syndicat aurait commis telle ou telle faute, il est suspendu par rapport à sa faute. Ou encore, la justice, le tribunal, et ça c'est la suspension judiciaire. Et tout à l'heure, je crois que le camarade nous venait de nous faire une leçon.
sur les mécanismes administratifs de suspension. Là encore, pourtant, c'est des grands fonctionnaires, c'est des vieux fonctionnaires. Qu'est-ce qui n'a pas marché en guillemets, entre guillemets, comme disent les enfants au quartier? Que le ministre soit replongé dans sa lecture avant de prendre des sanctions, parce que ça risque de faire une honte pour les ministres du CTI. Je vous remercie. Bon, comme nous sommes des Bantous, nous ne pouvons pas inviter nos camarades pour la première fois qu'ils viennent ici sans leur donner un verre d'eau. J'invite les filles du Cap à nous apporter le petit jus et que l'on se sépare. Oui, pour célébrer le... Bon, je peux même te passer la parole. Merci. Merci. On peut le faire ici, non? Les médias de transmission. Si la presse... Les médias. Peut nous...